Night City with Xbox One. Eh bien bonjour les petits amis YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour une vidéo où t'as encore acheté une console. Et oui, j'ai encore acheté une console puisqu'il s'agit d'une console Microsoft ce coup-ci. Chose n'est pas coutume, hein, vous savez tout ça, si vous me suivez un petit peu dans mes vidéos, je suis pas un grand fan de ce fabricant américain de consoles. Mais pour le coup, j'ai craqué en mai 2022, plus exactement pour cette console Xbox One X. Cyberpunk 2077, une console plutôt réussie pour le coup. D'ailleurs, c'est une chose qui est assez commune hein, chez Microsoft pour le coup, on pourra pas leur tirer ça. En règle générale, ils font de très belles choses dans leur version collector, même si je suis pas tout à fait d'accord sur toute leur façon de faire leur jeu vidéo, tout simplement. Cette console, je l'ai achetée chez Micromania, complètement par hasard. J'étais dans le magasin, il y a un client qui est arrivé, qui a proposé cette console à la vente, tout simplement. Je l'ai vue. Et j'ai trouvé plutôt cool, hein. J'avais vu la console dans les magazines et puis en vidéo à l'époque. Et c'était une console qui avait été sortie à 45 000 exemplaires donc, dans le monde, donc très très peu d'exemplaires comme on pouvait l'imaginer. Et puis dans un premier temps, je dis non, j'ai suffisamment de consoles à la maison, je laisse tomber, je ne prends pas cette console-là. Et puis après mûre réflexion, je rappelle le magasin qui me la met de côté bien évidemment, et c'est cette console que l'on va découvrir dans cette vidéo. Une console qui a fait polémique notamment pour son jeu. Donc, vous savez tous que le jeu, quand il est sorti en décembre 2020, a fait une grosse polémique puisque très buggé, sorti à la va-vite, très certainement avec une pression des actionnaires derrière trop puissante pour le studio pour ne pas repousser la sortie tout simplement. Un jeu cross-gen puisqu'il était disponible sur PlayStation 4, sur PC, etc. Et qui justement était le problème parce que c'était un projet très très ambitieux, c'est un jeu de rôle tiré d'un jeu de papier de rôle, un jeu de rôle en papier justement, dans un univers post-apocalyptique et qui était vraiment au top. Tout le monde attendait avec impatience et qui malheureusement était une catastrophe. Le jeu a même été retiré du PlayStation Store dans un premier temps, tellement le jeu avait déçu, et à juste titre, pas mal de joueurs. Donc voilà, le jeu a été bien évidemment patché depuis. L'occasion aussi de parler dans cette vidéo qu'une prochaine extension va sortir très prochainement, je crois que c'est cette année, je crois que c'est à la rentrée, j'essaie de trouver la date exacte, mais là lors des derniers Summer Game Show, on a pu apprendre que justement il y avait une extension qui allait sortir très prochainement, et uniquement sur PlayStation 5, PC, et puis sur la Xbox One Series X du coup. Donc voilà, les gens du CD Projekt vont s'éclater visiblement, en utilisant les capacités beaucoup plus importantes et beaucoup plus puissantes des nouvelles consoles. Et c'est aussi ça justement qu'à l'époque qui avait fait que la version PlayStation 4 était plus quand même une sacrée catastrophe lorsque c'était sorti sur ces consoles justement d'ancienne génération. Évidemment, c'était sorti sur la Xbox One X qui elle aussi avait un petit peu de mal à gérer ce jeu. Donc je vais vous montrer cette console que j'ai achetée 249,99€. Attention, c'est très important, on va dire 250€. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que c'est une console qui est sortie à 45 000 exemplaires dans le monde. Finalement, c'est assez peu d'exemplaires pour une console au niveau mondial, tout simplement. Et je la trouve plutôt cool, vous allez voir. Elle est vraiment spécifique au jeu. Elle représente bien justement l'univers de ce jeu post-apocalyptique, très cyberpunk, où c'est un peu crade, etc. Où la technologie est en même temps, enfin, il y a des robots, etc., qui fait penser aussi à pas mal de films, comme Blade Runner par exemple, des choses comme ça. Et c'est vraiment une ambiance très très particulière dans ce jeu qu'il faut justement découvrir. Je pense que de toute façon, je vais redonner une chance à ce jeu. Genre, je l'avais testé très brièvement, hein, je vous le cache pas, à l'époque de sa sortie, parce que techniquement c'était pas top. Et là, même avec les patchs, j'avais pas essayé. Je vais voir avec la version, l'extension qui va sortir très prochainement sur les nouvelles consoles, pour justement lui redonner une seconde chance à ce jeu qui, je pense, vaut le détour. Car le studio CD Projekt est quand même un gros studio polonais, un gros studio qui a fait de belles choses, notamment les Witcher. Et les Witcher 3 avait été vraiment un sacré jeu sorti à l'époque. Donc je vais vous montrer cette console, on va quand même parler de la console, et qui est assez lourde, hein, parce que la Xbox One X pèse son poids. Et la voici, cette console, qui est plutôt relativement en bon état. Il y a quelques petits trucs qui vont pas, mais bon, encore une fois, c'est une console d'occasion. Alors je sais pas du tout combien la console vaut actuellement
sur le marché, en même temps je m'en fous complètement. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté 250 euros, et je trouve que déjà à l'époque c'était un certain prix, mais qu'il méritait plutôt, au vu de, comment dire, de ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur du carton. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur le dessus c'est un fourreau, tout simplement, que je vais vous montrer un petit peu plus tard bien évidemment. Sur les tranches, on ne retrouve rien de spécial, avec le petit autocollant occasion de chez Micromania. Je vous dis, c'est assez lourd cette console. Alors, elle pèse son poids, cette Xbox One X, et on retrouve bien évidemment le personnage dont on va parler dans le jeu justement. Et on a justement un premier visuel de la console justement, et puis à l'intérieur sur le tranche, on nous explique un petit peu ce qu'on va trouver. Donc on va retirer ce fourreau dans un premier temps pour justement découvrir cette console. Alors on retrouve bien évidemment le logo Cyberpunk 2077 sur le carton. Donc là on est vraiment dans le vif du sujet, hein. C'est vraiment le carton, la boîte de la console. Ici on retrouve encore une fois le logo Cyberpunk 2077 avec la console et puis la manette, hein, qu'on va découvrir bien évidemment en détail dans la vidéo. Et puis comme je vous l'ai dit, à l'intérieur on retrouve la console, le stand pour justement la mettre en position verticale, cette console. Il y a un câble HDMI, il y a une manette qui est sympa en même temps. Donc voilà, pas mal de petites choses à découvrir ensemble, et puis bah, c'est parti. Donc sur le dessus, voilà, la petite console encore une fois. Et sur le dessus, on va ouvrir cette console. Alors ce que j'aime beaucoup, je sais pas si on va bien voir, c'est qu'à l'intérieur, on voit l'intérieur, il y a le logo Cyberpunk qui est mentionné. Ça, j'aime beaucoup ce genre de petits détails. Ça aurait pu être un carton blanc tout simplement, mais là je trouve que voilà, on sait que c'est une console collector et on met un paquet au niveau des petits détails, et ça je trouve ça plutôt cool de la part de Microsoft. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai acheté cette console chez Micromania. Il y a la petite facture, alors, je sais pas si on va bien voir, mais il y a le prix de 249,99€. Voilà. Et puis dans un premier temps, il y a des petites notices. Alors, notamment une notice rapide pour pouvoir brancher votre console et puis toutes les connectiques. C'est tout à fait simple, hein, maintenant. Je pense que vous connaissez tous ce genre de choses. La façon de relier votre manette à votre console sans fil, bien évidemment. Et puis de mettre les piles, tout simplement. Donc, le truc hyper classique. Le Game Pass. Je crois qu'il y avait une offre de Game Pass à l'époque pour pouvoir utiliser dans cette console. Et puis bien évidemment, alors je crois que la console est sortie avant le jeu, et il y avait la possibilité de télécharger le jeu au moment de la sortie directement sur cette console. Donc comme bien évidemment la console a été complètement rebootée, le jeu n'est plus dans la console, et c'est pour ça qu'il n'y a pas très très longtemps, je vous avais montré dans un, je crois que c'est la dernière vidéo de compte rendu des achats, je me suis repris le Cyberpunk en version Day One sur Xbox One, alors que je l'ai également sur la version PlayStation 4. Et là en l'occurrence, c'est justement pour pouvoir la glisser dans cette console, cette version Day One, avec pas mal de petites choses à l'intérieur. Il y a des cartes, il y a des cartes postales, il y a tout un tas de choses. C'est très très complet. Et puis j'avais chopé ça une vingtaine d'euros, je crois. Donc très très content de pouvoir justement la compléter, cette console, avec ce jeu. Allez, on continue avec un premier tiroir. Et à chaque fois, dans chaque tiroir, il y a toujours cette volonté de rester dans le thème de Microsoft, de Cyberpunk plus exactement. Dans ce premier tiroir et première étagère, on trouve une garantie. Voilà, une garantie de chez Xbox. Rien de très très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant dans cette partie de la boîte, il y a le stand qui vous permet justement de positionner votre console à la verticale. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, je trouve que c'est assez bien foutu. C'est comme une espèce de tiroir à l'intérieur de la console. Avant de vous présenter la console, je vais retirer un dernier tiroir qui reprend une des choses intéressantes justement dont on va parler. Je crois que j'ai tout mis à l'envers. Alors, c'est un autre tiroir bien évidemment.
Il y a un câble HDMI et comme vous pouvez le voir, il est d'une couleur un petit peu particulière et je crois que c'est un câble qui n'existe que dans cette version de Cyberpunk 2077, hein, c'est la version collector, espèce de bleu-vert, et visiblement c'est un câble HDMI collector puisque visiblement c'est que dans cette version qu'on retrouve cette couleur de câble HDMI. Petit truc, pourquoi pas. Bien évidemment, il y a un câble secteur, donc ça c'est tout à fait classique pour pouvoir relier votre console sur le secteur, sinon vous ne pouvez pas jouer, c'est pas possible. Et puis dans un premier temps, je vais vous montrer cette manette. Alors j'aime beaucoup, alors s'il y a bien une chose que j'adore chez Microsoft, c'est leur manette. J'aime beaucoup les manettes Xbox One X, les séries X, hein, de toute façon ça reprend le même comment dire, toucher, le même design, c'est les mêmes. Je trouve que le grip est super et c'est vraiment quelque chose de très très bien foutu. Je les trouve même au niveau de la sensation supérieure aux versions des manettes PlayStation 5 par exemple. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve génial, mis à part le fait que sur la PlayStation 5 on a les touches, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, vous savez de quoi je parle, qu'on ne retrouve pas forcément sur les manettes Microsoft. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est écrit No Future ici, comme si ça avait été entaillé au cutter. Mais rassurez-vous, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est vraiment quelque chose d'origine. Il y a un espèce d'effet patiné, comme si la manette était utilisée ou usée. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de cette console Cyberpunk, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez unique. Et puis voilà, un petit peu comme si ça avait été utilisé pendant des années, mais je vous garantis que c'est neuf, cette console, cette manette plus exactement. Et je trouve ça vraiment très 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 bien foutu. Elles sont vraiment très très belles, ces manettes. Alors, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que les manettes Microsoft, notamment Xbox One, sont vraiment au top. Et on va découvrir cette console qui est somme toute bien protégée. Et on se retrouve avec cette console super bien protégée, avec les petits polis. Ça, c'est vraiment une caractéristique chez Microsoft de bien protéger leur console. On a eu le cas avec la Xbox One série X, qui était vraiment un exemple au niveau de la qualité de protection des consoles dans les cartons. C'est des choses qu'il faut pas négliger et je trouve que chez Microsoft, ils font les choses bien et faut le souligner quand il le faut. Donc je retire ces protections. Et donc on retrouve cette magnifique console que je reprends à l'endroit avec le petit logo Xbox One X ici, avec ses couleurs très atypiques qui reprennent un petit peu les typos du jeu, comment dire, Cyberpunk 2077 justement. On a cette impression de patiner, de console un petit peu utilisée et usée, mais je vous garantis que la console, bien qu'elle soit d'occasion, elle est neuve, elle est comme ça d'origine. Et franchement, je la trouve vraiment géniale au niveau du design. Viens dans vos commentaires, bien évidemment. Donc plein de logos, on voit que c'est des fois ça a l'impression que ça a été effacé, ça a été repeint à la main ou des choses comme ça, et ça je trouve ça plutôt cool. Sur le devant de la console, on retrouve les connectiques classiques, le lecteur Blu-ray ici plus exactement. Sur ce côté-ci, il y a le bouton d'allumage. Alors petite particularité sur le bouton d'allumage de la console, c'est lorsque vous appuyez, vous avez une sonorité particulière qui reprend un petit peu des sonorités du jeu justement Cyberpunk. C'est quelque chose qui était déjà apparente sur certaines versions collector. On a tous en tête la version de la Xbox 360 Star Wars où vous aviez les bruits de R2-D2. Bah là c'est un petit peu le même principe avec justement ces caractéristiques sur le bouton bien spécifique sur le jeu. Peut-être un petit gadget, mais je trouve ça plutôt cool au niveau de l'intention. De l'autre côté, on a aussi des écritures avec écrit No Future et le groupe des samouraïs, bien évidemment, qu'on retrouvera dans le jeu. Le No Future Arfo, il est glow in the dark, c'est-à-dire que lorsque vous mettez une lumière dessus et que vous éteignez vos lumières, tout simplement, et bien ça va luire dans la nuit. Petit gadget encore une fois, mais je trouve que c'est à souligner, c'est vraiment des petits gadgets, des petits trucs en plus comme ça qu'on retrouve sur la console. Mais plutôt cool, franchement, c'est des trucs qu'on voit pas souvent sur une console, justement. Au niveau des connectiques à l'arrière, il y a ce qu'il faut, il y a deux prises HDMI, il y a deux USB, il y a des connectiques pour pouvoir brancher ça sur une chaîne Wi-Fi, enfin une meilleure qualité de son. Bien évidemment, le câble Ethernet pour la connexion sur via Internet, tout simplement. Le câble de secteur, truc tout à fait classique. Sur les côtés, on retrouve un petit peu les couleurs bleues, jaune et gris, tout simplement, grise. Et sur ce côté-ci, ça c'est à souligner ici, voilà. Il y a un petit texte qui est écrit, Uniform Victor Mike Echo.
Et les quatre premières lettres de chaque mot sont surlignées. Et en gros, c'est marqué, c'est comme si c'était marqué UV, me. Donc en gros, si vous passez une lumière bleue à cet endroit, ici, là, ici, il va y avoir un message qui va apparaître. Encore une fois, le truc de fou, un petit peu de malade. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi le texte correspond. Bon, il n'y a rien de fou, hein, c'est juste un espèce de message de remerciement en différentes langues pour la sortie du jeu et de la console justement. On aurait pu penser qu'il y aurait eu un message avec un attrait sur le jeu, ou comment dire, un easter egg sur le jeu en question, mais c'est pas le cas du tout. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. En tous les cas, c'est encore une fois très dans l'optique de faire une console très très particulière, et je trouve ça plutôt cool au niveau de ce texte qu'on peut lire uniquement avec une lumière bleue. Ça, je trouve ça assez génial. Et voilà, c'est une console qui est unique. Encore une fois, je vous dis, hein, c'est édité à 45 000 exemplaires, ce petit bijou. Encore une fois, c'est un petit peu spécial. Je sais que ça ne plaira peut-être pas forcément à tout le monde, ce design. En tous les cas, moi, j'ai vraiment kiffé. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Et puis, voilà, on est vraiment à la... Comment dire, on a vraiment affaire à une belle console, je trouve, plutôt collector, avec plein de petites subtilités que je voulais souligner, justement. Voilà, petits amis de YouTube, j'espère que cette petite vidéo de présentation de cette console Xbox One X Cyberpunk Edition vous aura plu. J'espère que vous aurez peut-être aussi envie de retester et puis de vous refaire ce jeu, notamment avec l'extension qui est prévue sortir très très prochainement sur les nouveaux supports. Hein. Ce sera uniquement disponible sur PS5, PC et puis sur la Xbox One Series X. Donc là, vraiment, le studio CD Projekt vraiment aura toutes les capacités pour pouvoir faire évoluer à 100% leur jeu, enfin ce qu'ils voulaient vraiment faire à la base. En tous les cas, moi j'attends de voir, et je pense que c'est vraiment l'occasion de remettre le jeu et la galette et puis le jeu dans la console, dans l'Xbox One Series X bien évidemment. Vous me direz ce que vous en pensez tout simplement. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo de déballage de collector japonais. Et on va parler shoot 'em up, j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très belle semaine. Et puis on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, les amis. Et là, ciao, bye bye.